Dans cette activité 1, il s'agit d'extraire et organiser des informations afin de caractériser les identités sexuelles hommes et femmes d'un point de vue biologique. À différents niveaux, à travers les documents, il va s'agir de différencier hommes et femmes. Le document 1 permet de constater les différences au niveau des karyotypes, chez la femme à gauche XX et chez l'homme XY. On a donc des différences au niveau des chromosomes sexuels. Le document numéro 2 montre des anomalies dans les chromosomes sexuels dans l'espèce humaine et leurs conséquences. Anomalie hétérosomale fait référence à ces chromosomes différents qui sont appelés les chromosomes sexuels. La première observation que l'on peut faire parmi toutes ces maladies ou problèmes génétiques, c'est que les personnes possédant un chromosome Y sont à chaque fois des hommes. Ceci met en évidence le rôle déterminant du chromosome Y dans la différenciation sexuelle du côté masculin. Un peu plus tard, au cours du temps, en 1985, au niveau de ce chromosome Y, a été découvert un gène particulier, le gène SRY, SRY pour Sex Region of the Y chromosome, qui est un, on va le voir, un gène déterminant pour bien la différenciation dans le côté masculin. Une expérience a été faite en 1991 en isolant, les chercheurs ont isolé un petit fragment de partie 1 du chromosome Y qui comprend ce fameux gène appelé SRY. Ils ont fait une expérience de transgénèse. Transgénèse, je vous le rappelle, c'est le fait de prendre un gène d'une espèce et de l'insérer dans une autre espèce. En l'occurrence, ici, ceci a été fait chez des souris. Donc, c'est un transfert entre au sein de la même espèce. On a pris le gène SRY et on l'a rajouté sur un chromosome X. Donc, ici, d'un point de vue génétique, avec ces deux chromosomes, on est face à une femelle. Mais on a rajouté au niveau de la cellule œuf ce gène SRY. Chose surprenante, comme vous pouvez le constater, on observe l'apparition de testicules et on obtient un mâle. D'un point de vue phénotypique, c'est l'ensemble des caractères, on observe donc que si on rajoute ce gène SRY, on passe à un phénotype mâle, alors d'un point de vue génétique, on avait une femelle. Ici, on est dans le cas d'un sexe génétique mâle. Et là, au niveau du chromosome Y, on a enlevé le gène SRY. On obtient alors une gonade qui est non déterminée, à la fois un aspect ouvert du testicule, on parle de gonade indifférenciée, et le phénotype de l'organisme est un phénotype femelle. Cette expérience montre donc le rôle déterminant du gène SRY dans la différenciation de la gonade dans le sens testicule, et on obtient ensuite un mâle. On était placé ici au niveau du phénotype gonadique. Si maintenant on s'intéresse aux différences anatomiques entre hommes et les femmes, au niveau des organes, présence de lèvres, d'un vagin, on a aussi effectivement l'orifice génital, l'utérus permettra le développement de l'embryon. Si on s'intéresse maintenant à l'appareil génital masculin, on a la présence de testicules situés à l'extérieur du corps, d'un organe copulateur appelé le pénis, et la prostate et les vésicules séminales sont des organes qui permettront ensuite la fabrication du sperme notamment, et notamment le liquide séminal. Là, à ce niveau-là, on est situé au niveau de l'organisme. D'un point de vue du fonctionnement, on observe des différences majeures entre le testicule et les ovaires. Au niveau des ovules, si on prend donc la cellule, en mettant dans la cellule reproductrice, on observe que ces ovules sont plutôt gros comparés aux spermatozoïdes. Ils sont beaucoup moins nombreux, car il n'y a que 400 au cours d'une vie. Au contraire, les spermatozoïdes sont 10 milliards. Lieu de production, les ovaires au niveau du follicule ovarien, et au niveau des spermatozoïdes, ils sont produits au niveau du testicule. L'ovule est immobile, son cellule va être mobile, et, chose très importante, chez la femme, cette période de production des ovules commence à la puberté et s'arrête à la ménopause, alors que pour les spermatozoïdes, elle est à puberté jusqu'à la fin de la vie. Je vous renvoie par rapport au document concernant donc l'ovaire et le testicule pour observer exactement la structure de ces organes. Et enfin, au niveau de ce graphique permet de comprendre le début de ce fonctionnement de ces organes sexuels. Ici, en l'occurrence, vous observez que la puberté, les hormones cérébrales augmentent fortement en quantité
à partir de 11 ans. Donc, on rentre progressivement avec l'apparition de la testicule dans la puberté, alors que chez la fille, cette puberté, cette hormone cérébrale, la production commence plus tôt, vers 10 ans. La puberté est donc plus précoce chez les femmes que chez les hommes. Voici donc ce qu'on peut dire par rapport à ces documents à différentes échelles. On a commencé à l'échelle de la molécule avec les chromosomes. On est passé ensuite à l'échelle cellulaire en parlant notamment des ovules et spermatozoïdes. On a vu aussi l'échelle de l'organe avec la comparaison entre appareil sexuel génital mâle et appareil sexuel féminin. Et enfin, on s'est intéressé pour terminer au fonctionnement qui, vous le constatez, est différent. La puberté se déclenche plus tôt chez les filles et plus tard chez les garçons.